l'église. Dans la kanisa ya mingi. Pendant cette période, kadiri ya wakati, il parle du Saint-Esprit. Peko na azungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Mais non, Dieu nous a demandé. La kinisha Mungu alitulomba. De parler du bruit. Tuzungumzie kuhusu makelele. Et nous avons intitulé notre sous-thème. Na tulikuwa na kishina tukita jina kama hivi. Il y eut un bruit. Kukakuwa kelele moja. Nous allons lire Actes des Apôtres. Nous tâchons matendo ya mitume. Le chapitre 2. Sura ya ke apili. Le verset 6. Amustai wa ke wasita. Actes des Apôtres. Matendo ya mitume. Le chapitre 2. Sura ya ke apili. Le verset 6. Amustai wa kusoma wasita. Mon appareil est un peu lent ce soir. Mais je suis en train de l'ouvrir quand même. La kiné Nicolas, il faut la poule pour le tout. Acte des apôtres. Matendo Yamitume. Le chapitre 2. Souverain Yapili. Et verset 6. Mustari wa kusoma wa sita. Nous allons lire tous ensemble. Wote pamoja tutasoma. 1, 2 et 3. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue par ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen, amen, amen. Il y eut un bruit. Kukakua kelele moja. Bien aimé. Mupendwa. C'est vrai que le Saint-Esprit était descendu. Bien quoi de l'homme tentatif du Shukaka. Mais avant toute chose, parce que la manière yote, la Bible dit, sema, qu'il y eut un bruit, kukakuya kwanza kelele moja. La Bible dit, sema, si nous rentrons au premier verset, tukirudia mstari wake wa kwanza, elle dit le jour de la Pentecôte, il a sema siku ya Pentecosta. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Walikuwa wote pamoja kwa fasi moja. Tout à coup, kwa kafula, il vient du ciel un bruit. Ikatoka mbinguni kelele moja. Comme celui d'un vent impétueux. Kama vile ya pepo ya nguvu. Il remplit toute la maison. Ikajaza nyumba yote mzima. Tous étaient assis. Wengi walikuwa wameshakuikana. Il est venu de Jérusalem. Par le toquet de Jérusalem. Plutôt il est venu de la montagne. Par le toquet de Moulima. Parce qu'ils étaient à Jérusalem. Par le toquet de Jérusalem. Et dès qu'ils sont arrivés, la waquette de Marifika, ils sont passés directement. Par capitaine, par capale. Dans le lieu où ils se réunissaient. Par face, par la tombe de la Kusalika. Et ils étaient là. Dans Marifika, parle. Moi je sais, Mimi la Chua, qu'ils se réunissaient pour la prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, Bible Nasema, tout à coup, Pakafula, alors que personne ne s'y attendait. Kelele moja ikatoka kumbingu. Et ce bruit là, na hiyo kelele ile, il était comme celui d'un vent impétueux.
Dieu. Mon frère et ma soeur, un bruit c'est quoi? Commençons par là. On parle du bruit lorsque un son ou un ensemble de sons est perçu comme gênant, désagréable. C'est ça le bruit. Je ne m'en pas comme quelqu'un. Un son. Saouti mocha. Un ensemble de sons. Voilà où il y a ma saouti. Qui vient à l'oreille. Il m'a fait qu'à Kulishikio. Et à partir de l'oreille. À ton Kulishikio. Ce son là. Il y a saouti. Il est. On le trouve gênant. Pour la yole à pas mettre la toujours. C'est pour cela. Donc, il y a une. Papa peut être au salon. Papa n'a pas fait mon tout baïaké. Les enfants dans la chambre. Bâton tombé la nouba koularia. Après le temps, papa sort. Qui se va dans la toka? Il dit tes amours. À la semaine, quel est le kimia? Cessez le bruit. Ma chéri, ma kenele. C'est-à-dire, Anayake. Les sons qui étaient émis par les enfants. Ma saute dans le tos au coup de bâton. Arrive aux oreilles du père. Il a pris le coup de sucre, il a barba. Et le père trouve ce bruit dérangeant. Baba, non, laissez-moi qu'elle est comme un moussoulou. C'est pour cela qu'il va interdire. Tu peux commencer à donner des explications à quelqu'un. Ou n'est-ce pas pour faciliter mon tout mambo. Tu lui dois de l'argent. Ou n'a pas une petite franga. Le jour où tu devrais payer, si tu ne lui fais pas une franga, il te dit, mais donne mon argent. Tu commences à donner des explications. À un certain moment, ou à tout le monde, il te dit Hacha Makanere. À la connaissance, ça laisse le bruit. C'est-à-dire, ce que tu donnes comme explication là, il arrive à ses oreilles, il a et il les trouve gênant. À la comme il a moussouru. Ce jour-là, voyons ce qu'il est. Il y a un bruit. Ou qu'à quoi qu'elle est le monde. Mais moi, j'ai dit, la qu'il m'y dit, c'est vraiment subjectif. Il a fait qu'on appelle la ville Boutoué qu'on a Yashikia. Parce qu'un bruit. La femme ou quel est le mocha. Peintre gênant. Il a fait un cousin. Vas-y, mocha. Pour le pasteur. Vas-y, la pastori. Mais pour moi. La qui dit quoi, Mouni. Ça peut être un bruit agréable. Il est le père de la quelle est le mocha Yamoussou de Fraïcha. Amen. Les enfants peuvent chanter un cantique. Bâton, tu m'as fait un cousin de Wimbo Mocha. Quelqu'un trouve que ça le gêne. Juste avant la semaine, il a dit. Il va dire ce bruit. À ta semaine, ma quelle est. Peut-être moi. Ça va dire. Ce cantique-là. Il est oui, bon, il est. Mais plaît. Il est du fraïcha. Alléluia. Amen. Donc un bruit. Parce qu'elle est le peintre désagréable. Il a oué d'appeler une pédèse. Pour quelqu'un. Ça va tout me guider. Et en même temps. L'avocat du mot de marche. Agréable. Il a fait la coupédèse. Mais non. Ça va tout me guider. Ces enfants-là qui parlotaient dans leur chambre. Ils n'étaient pas gênés. Alors qu'ils faisaient du bruit. Ce bruit-là pour eux. Ce n'était pas gênant. Pour le papa. C'était gênant. Il y a des bruits qui peuvent te couper la tête. Ce jour-là, la Bible dit, il y a un bruit qui a créé le monde. Et ce bruit, il y a mais ce n'est pas d'un autre endroit. À couteau qui m'a passé, il est. C'était un bruit, il quoi a créé le monde. Qui venait du ciel, il y a un bruit. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Donc au ciel, parce que ce jour-là, voyons ce qu'il est. Il y a quelqu'un, pourquoi mon mocha, où il y avait des gens, voilà pourquoi tu as battu, qui faisaient du bruit, parce que la femme a battu. Et ce bruit, d'ailleurs, ma quenelle est descendu, Kasuka. Amen. Qui
Moi je ne sais pas. Mimi sijue. Mais sûrement les habitants du ciel. Kwa wakita wakati wa kumbingu. Qui habite le ciel? Bale bale, nani alikaa kumbingu? Je ne sais pas. Mimi sijue. Tout ce que je sais, bila mimi najua, c'est qu'il y a eu un bruit. Kulikuwa kuna kelele moja. Cha kwanza, ce bruit là, ile kelele ile. C'est pas un bruit qui est venu de lui-même. Aina kelele litoka yo yenyewe. C'était un bruit qui était provoqué. Et ce bruit était provoqué par la prière des apôtres. Yes. Donc bien aimé, pas sous mon doigt. La prière m'a omni fait provoquer un bruit. Il n'a pas de cocosa ma kelele. Il y a beaucoup de types de bruits. Aina ya mingi ya makelele. Et chaque bruit a son origine. Na kila kelele na chemchemu yayo. Sa signification. Na maana yayo. Mais ce bruit. Na kilo iyo kelele. C'était un bruit. Ilikuwa ni makelele moja. Qui venait du ciel. Ilitokea kumbingu. Qui était provoqué. Yene lichokozewaka. Parce que les gens étaient en prière. Maana watulikuwa ndani ya maombi. C'est lorsqu'ils étaient en prière. Wakati walikuwa ndani ya maombi. Que ce bruit est venu. Na iyo kelele kakuya. Alléluia. Amen. Non seulement il venait du ciel, après tu l'as toqué kumbingu, mais c'était un bruit, il parlait quelle marche, il était inattendu, il y a des paroles à chunga. C'est pourquoi la Bible dit, je parle de la sema, tout à coup, quoi qu'un fou là. C'est vrai, pourquoi Jésus avait promis le Saint-Esprit, yes, on l'a kakao takatif, mais les gens ne savaient pas quand. La qui m'a pas retourné le wakati ka, les gens ne savaient pas quel jour, à l'occupant de Shibuka, tout ce qu'il faisait, de la la fanda, il persévérait. Ce jour-là, pendant qu'ils étaient en prière, sans avertir, tout à coup, il y a eu ce bruit-là. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je sais que tu ne t'attends à rien, mais ce bruit, il vient toujours à l'improviste, il va venir. Ce bruit, la Bible ne compare au bruit du vent impétueux. Le vent impétueux, rappelez-vous, c'est le vent de l'Orient. Il a une capacité terrible de destruction. Ce vent-là, auquel on compare, le vent de ce bruit, auquel on compare, le bruit qu'on entendait là, c'est ce bruit. Un jour, pendant que Moïse était encore en Égypte, à un certain moment, Dieu lui dit, écoute Moïse, ce soir, nous allons encore faire quelque chose. Cette fois-ci, ça va pousser Pharaon à dire quelque chose. Bien-aimé, Upendwa, nous sommes dans l'Exode 10. Tout comme Kutoka Kumi, le verset 13 et le verset 15. Jusqu'au verset 15. Kumi na tatu pa kumi na tano. La Bible dit, Bible na sema, ce jour-là, voyons ce qu'il est. Dieu, Mungu, souffla à Kapumua un vent impétueux. Et allait ramasser les sauterelles
fini comme l'ongo pote. Le vent impétueux. Je ne sais pas. C'est un séminaire. J'aurais bien voulu qu'on lise des passages. Je suis en train de douter sur la chakra. Alléluia. Amen. On peut nous lire. Un bon lecteur. Exode 10. 13. Jusqu'à 15. Je suis en train de t'expliquer. Le vent. Pepo. Auquel. Quoi. Dieu rapproche. La peine le bruit qui venait du ciel. À quel au bruit de ce vent là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement? La parole de Dieu. Amen. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Toute la journée et toute la nuit. Dieu soufflait le vent de l'Orient à la sur la Égypte. Il y a ma chérie qui parle. Et quelle est la conséquence? Ça va toquer au lit. Le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Alléluia. Amen. Oui, Dieu. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Alléluia. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Et quand on peut toi. Lorsque les sauterelles, quand ils vont pas, apportées par le vent. Jusqu'à l'Égypte, elles ont cherché la terre. Les grillons ont été dévorés par les sauterelles. Les grillons, ces légumes ont été moulenda. Le moulenda, gaïgaï, gaïgaï. Tout ce que les Égyptiens avaient planté, les sauterelles ont ravagé. C'est Dieu qui soufflait ce vent. Vous pouvez dans la torche du peuple. On veut le plus important. Que Dieu, mon goût, envoie à tout mais ce bruit. Il est ma quelle ce vent. Il est peuple. Dans ta vie. Dans le Israélato. Que ce vent. Il est peuple. Détruise. Il peut mourir. Dans ta vie. Dans le Israélato. Tout ce qui te bloque. Dans le Israélato. Que ce vent. Il est peuple. Détruise. Il peut mourir. Et l'Éternel refoula toujours lui
par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Alléluia. Bien-aimé, ouvre-toi. Écoute, Chikia. Moïse avait la veine. Sous ce cœur à Bakora. Son problème, c'était seulement de l'étendre. Le reste de Dieu s'en occupait. Quand il a étendu sa vie, Dieu a soufflé un vent de l'Orient avec impétuosité. C'est pour ça qu'on l'appelle le vent impétueux. Ce vent est arrivé. Il a séparé la mer. Seulement il a séparé la mer. Le vent impétueux venir dans ta vie pour séparer ce qui est utile et ce qui est inutile. Séparer dans ta vie ce qui ne te revient pas selon Dieu avec ce qui te revient. Alléluia. Amen. C'est à ce vent-là. Quand on parle à la le vent et au peuple qui était venu avec le bruit et le bruit du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent peuple a un bruit et qu'on a maquillé. C'est pour cela qu'on dit le bruit qui était venu du ciel. Il toquait Kumbingu. Était comme il croit comme le bruit. Tu vois un petit peuple y a beaucoup. C'est-à-dire, lorsque le vent vient, il vient avec un bruit. Le bruit qui est venu du ciel, il était comparable au bruit de ce vent-là. Du vent d'un petit peuple y a beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que le bruit est venu du ciel. Parce que le bruit, il ne fait pas le bruit. Le bruit, il vient de quelque chose. Lorsque le vent impétueux souffle, ça vient avec un bruit. C'est pour te dire, si il y a eu un bruit qui est venu du ciel, c'est le bruit là, c'est le bruit, il y a un vent, et ce vent venait du ciel, et le kumbingu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Et le Saint-Esprit, la route à Catif, des fois il symbolise, il va symboliser, il en est le vent. Donc il y a un vent qui a été descendu. Et ce vent-là, il n'est pas descendu. Avec un silence. Il est descendu avec un bruit. Et ce bruit-là, c'était comme le bruit. Tu es impétueux. Alléluia. Amen. C'est que ce bruit-là il est que nous voulons parler ce soir. Dieu l'a comparé au bruit du vent impétueux. Bien-aimé, est-ce que tu réalises les actions du vent impétueux, du bruit du vent impétueux? Est-ce que tu réalises la puissance avec laquelle le bruit, dégagé par le vent impétueux, provoque. Il y a un bruit. Ce bruit venait du ciel. Ce bruit, était comparé au bruit du vent impétueux. Ah,
Je t'ai expliqué un peu le vent impétueux. Parce qu'il y a quatre sortes de vent. Mais ce n'est pas un autre problème. Parce que si tu prends par exemple le vent de midi, c'est un vent paisible qui vient avec la restauration, qui encourage. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ce bruit-là qui est venu du ciel. Je te dis, il a été provoqué par la prière. Une église qui n'aime pas la prière, ce n'est pas une église qui vit. Parce que la prière, elle provoque des bruits. Ce jour-là, la prière a provoqué un bruit. Ces gens, ils étaient ensemble dans un seul lieu. Si nous ne sommes pas ensemble, même si nous prions, ce bruit-là viendra. Je veux dire à quelqu'un, tu as prié, il y a 5 ans, tu as prié, il y a 10 ans, persévère. Un jour, ta prière va provoquer ce bruit-là. Lorsqu'il descendrait, il y a des choses que tu vivras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais encore que je vous explique quelque chose. Il y a beaucoup de types de bruits. Moi j'en ai retenu 3. Le premier bruit, il y a un bruit que moi j'ai retenu. Et le minimamba pour ce travail. Pourquoi je voudrais parler de ce bruit? Oh,